Oh my god. Ah, je suis tellement contente. Oh mon dieu, vous pouvez pas savoir, les amis. C'est quoi cet autofocus de malade? Oh mon dieu, je suis tellement contente. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de vous parler. J'essaierai de poster cette vidéo le plus tôt possible. Je ne sais pas s'il y aura un montage de ouf parce que ça va être une vidéo blabla. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit assez courte. Mais voilà, je tenais à faire une vidéo blabla pour vous expliquer plusieurs trucs et je suis tellement excitée de ce que je vais vous dire. Donc tout d'abord, par rapport à l'été, j'avais prévu plusieurs vidéos. À chaque fois je dis ça, mais au final je les pose pas en fait hein, parce que au final j'ai toujours des problèmes, je sais pas pourquoi. L'été je ne pose jamais de vidéos, d'ailleurs je n'en pose jamais hein, que ce soit l'été ou l'année, vous aurez peut-être remarqué. Mais par rapport à ça, je suis remotivée de ouf, la rentrée arrive, je me dis une nouvelle année commence Capucine. Et justement, tu as un nouvel appareil photo, je vous en parle juste après. Donc c'est le moment pour te motiver et du coup, je vais faire plein de vidéos, enfin du moins j'espère. Alors je passe en troisième cette année, donc j'espère que ça va pas être trop chaud pour faire des vidéos avec le brevet. De toute façon, je fais pas beaucoup de vidéos, mais je vais essayer de me rattraper. Par rapport aux vidéos de l'été, du coup j'en avais prévu quelques-unes. Il y avait quoi? Il y avait un vlog, une journée sans écran, parce que j'ai fait une journée sans écran. Et aussi, je sais plus, mais des vidéos dans ce style-là. Et au final, j'ai pas pu les poster parce que justement, j'en viens aux caméras. Mon ancien appareil photo, c'est-à-dire le petit rose là, que j'avais depuis 2-3 ans, 1 an et demi, je sais pas, a rendu l'âme. C'est-à-dire qu'il peut prendre des photos, mais les vidéos, ça bug. Du coup, je filme avec l'appareil photo de mon papa qu'il me prête pour l'instant. Et c'est un Canon G12. Et excusez-moi d'avance si je regarde là et pas là. Mais là, je vous explique, il y a un retour caméra. Et c'est un truc de ouf, malade, sa maman. Parce que il faut savoir que dans mon ancien appareil photo, enfin sur mon ancien appareil photo, celui qui a rendu l'âme, là, le Samsung ST68... il n'y avait pas de retour caméra et je galérais comme une malade depuis des années pour cadrer, pour quand je parlais je savais pas si on voyait bien, si la luminosité était bien. Et là c'est un truc de ouf, non seulement l'appareil photo il fait meilleure qualité, meilleur son, enfin du moins j'espère, je sais pas trop. Et il y a un retour caméra, mais en plus c'est un appareil photo hyper complet avec des réglages de toutes les sortes. Et du coup je suis vraiment très contente, je vais pouvoir faire des vidéos de qualité de ouf malade. Voilà, merci papa, je te remercierai tout à l'heure, mais merci encore de me prêter et de me faire confiance, etc. Parce que ça me fait tellement plaisir de pouvoir refilmer des vidéos comme ça avec un retour caméra, surtout c'est ça pour moi qui a changé tout. Et bien évidemment de pouvoir faire des vidéos tout court parce que ça me manque tellement, vous pouvez pas savoir. Et j'ai plein d'idées de vidéos, surtout j'entre dans une période où je commence à aimer les vidéos favoris, haul, etc. Parce que avant j'avais, bon là j'ai 14 ans, du coup je les ai eues le 30 juillet. Avant, j'aimais pas trop tout ce qui était favori, haul, routine, etc. Je trouvais ça d'un ennui mortel. Mais là, je sais pas, je commence à rentrer dans une sorte de période où j'aime tout ce genre de vidéos. Donc du coup, je vais vous en faire. Donc j'espère que ça vous plaira et voilà. Du coup, je rentre en troisième cette année. Donc ça, je vous l'ai dit au début de vidéo. Donc j'espère que ça va pas trop poser problème quand j'aurai des gros contrôles ou des stages, mon stage ou mon brevet ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà. Apparemment la troisième c'est beaucoup moins dur que la quatrième, apparemment c'est la quatrième le plus dur. Donc écoutez, je suis un petit peu rassurée mais j'ai envie de voir par moi-même quand même, donc voilà. Et d'ailleurs une vidéo va bientôt arriver, j'espère que je pourrai poster celle-là avant la prochaine vidéo. Mais dans tous les cas, si jamais vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimée et si jamais vous l'avez pas encore vue, je vous donne un indice, c'est sur la rentrée. Et donc voilà, aussi il y a bientôt une vidéo qui va arriver avec ma petite sœur. Soit ça sera une vidéo faite totalement par ma petite sœur, ce que je lui ai proposé de faire une vidéo sur ma chaîne, soit ça sera moi avec elle, donc je ne sais pas encore. Dites-nous en commentaire ou sur Snap ou Instagram ou Twitter ou ce que vous voulez, ce que vous voulez voir comme sorte de vidéo avec ma petite sœur. Aujourd'hui, après tout ce blabla, j'ai quand même des pubs à faire. Alors j'en ai deux, parce qu'au final j'en ai quatre en tout à faire, je les ai notées là-dessus sur mon iPod. J'en ai quatre en tout à faire, mais je peux pas faire les quatre tout de suite parce qu'il y en a une, c'est peut-être une surprise on va dire. Et l'autre, c'est la gagnante de mon concours que j'ai lancé sur Instagram. Concours sur Instagram pour que la gagnante ou le gagnant, d'ailleurs, il n'y a que des filles qui ont participé, donc c'est assez bizarre, mais bon. Pour que la gagnante puisse remporter une pub dans une de mes vidéos. Donc, tu vas me dire un nombre entre 1, 2, 3, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Entre 0 et 5. 2. 2, 1, 2. Ah, ben j'ai contacté, enfin j'ai choisi la gagnante. Donc je vais la contacter, donc voilà, ma petite soeur a choisi la gagnante. J'ai contacté la gagnante de mon concours Instagram et elle est en train de me donner son réseau social, donc je vais vous en parler. Elle m'a répondu, donc je vais vous faire la pub. C'est son Snap, donc n'hésitez pas à aller l'ajouter sur Snapchat. Je vous l'écris juste ici et il sera en barre d'informations.
Donc voilà, tu as gagné mon petit concours. Tu m'as dit que tu étais très contente, donc écoute, tant mieux. Et maintenant, je vais te faire une pub sur Instagram et Snap, mais ça sera après avoir filmé cette vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de deux comptes Instagram, donc voilà. Le premier, c'est un compte Instagram d'astuces, ma meilleure amie en fait partie. Elle n'est pas du tout au courant que j'en parle dans cette vidéo, et en fait, ils sont quatre sur ce compte, dédicace à eux, si je sais pas s'ils regardent ma vidéo, mais bon. Et ils sont... Ah bah tiens, justement, ils viennent de poster un nouvel article. Cool. Et donc ils sont quatre. Et c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Aurélie en fait partie. Vous pouvez aller voir. Je vous mets le lien en barre d'informations. Et je vous mets le nom juste ici. Donc c'est How To. Pour l'instant, ils ont 209 abonnés. Ils font plein de trucs. Ils sont hyper actifs. Ils ont refait leur compte il y a pas longtemps. Et franchement, c'est des astuces très très bien. C'est des gens qui passent en quatrième ou troisième, je sais plus. Et donc voilà. J'avais envie de vous faire partager, franchement allez voir, ça me ferait très très plaisir. Et donc voilà, au niveau des pubs, après je voulais juste vous partager la chaîne YouTube d'un ami que je me suis fait il y a pas longtemps. Et donc sa chaîne YouTube juste ici et pareil dans la description. Donc voilà, c'était tout pour ce blabla, on va dire. Je suis hyper contente de revenir sur YouTube en force avec une nouvelle caméra. J'espère que ça vous fait plaisir et n'hésite pas à mettre en commentaire un petit cœur. Voilà, bisous.